On a eu accès à un téléphone de la production qui était déverrouillé côté Internet. On en a profité pour créer un Instagram. Là, présentement, c'est sorti dans les médias à Montréal. On est sorti comme la pétricherie de l'histoire de l'île de l'amour. Avec le téléphone, j'ai seulement voulu m'assurer que ma famille sache que j'aille bien. J'accepte mes torts, j'accepte mes erreurs. Je vais accepter ce qui va suivre. Pareil pour moi, dans le fond, après avoir eu accès au téléphone, j'en ai profité aussi pour justement parler avec des amis à moi, demander comment ils allaient, puis je leur dire que moi aussi, ça allait, dans le fond. De mon côté, c'était juste de parler avec mon monde. Ça m'a fait du bien, honnêtement. Puis c'était vraiment ça, c'était bref. J'étais à dire, puis je voulais tenir à faire cette explication-là pour quiconque ici pense qu'on essaie de tricher ou de nous avantager de quelconque façon dans le jeu, c'est absolument pas possible. Puis c'était pas dans nos intentions de toute façon. Ceci étant dit, je vais vous demander pour une dernière fois, est-ce que quoi que ce soit qui n'a pas été dit au sujet de vos contacts avec l'extérieur pendant votre séjour? C'est le moment ou jamais d'être honnête. Je pensais pas devoir en arriver là, mais malheureusement, il semble qu'il y a certaines choses que je vais devoir rectifier moi-même.